Frère, sœur, amis, la prière, bonsoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivre de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Sous parole Sayo, groupe missionnaire des héritiers, passé par voie moins pour souhaiter ministère intercession, persévérance en Christ, ministère famille affranchie, c'est par la foi, ministère Gogé-Déon, jeune adventiste du Brésil, radio, télé, papillon, auditeur, auditrice, amis YouTube, nous, amis Facebook, amis WhatsApp, bienvenue dans le moment de prière ça à Soya. Qui gagne pour thème, repentez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt. Matin, nous t'élever, nous chercher présence, mon Dieu. À midi, nous sommes dit, mon Dieu, eh bien, tout ça qui est dans la vie, nous, pour être capable de débarrasser nous complètement, pour nous chercher présence. Et à soir, nous retourner dans pied pour nous confirmer sanctification nous, devant tout le monde. Pour nous capables de commencer à un moment de prière nous matin, ouvrir hymne et louange ensemble avec moi. Dans le numéro 340, pour nous chercher présence bon Dieu pour nous. Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Oh, Jésus, mon
C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 27 à 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie le Seigneur. Pendant que, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons l'attendre, chanter non. Eh bien, mettez-nous en position, matin, pour mon Dieu capable de laver, pour le purifier, pour sanctifier avec sang Jésus. Enlevez mon iniquité. Oh Jésus, regarde-moi du haut des cieux. Oui Seigneur, dis-moi que tu m'as pardonné. Oui, j'ai longtemps erré le cœur rebelle. Mais Seigneur, j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout contre brisé, je me rends. Oui, mon bon Dieu, pour capable laver nous, pour faire nous une plus blanche que la neige à soi. Alléluia. Oui, lavez-nous, Seigneur. Yes. Je serai plus blanc que la neige. Oh, les fardeaux de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Dieu très saint est trop grand. Je veux en être délivré, mon Dieu. À cette heure, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul, tu peux calmer ma souffrance. Après, nous parler encore les gens. Viens, joignez-les. Viens te sanctifier. Oui. Après, viens parler encore. C'est lui qui a délivré, vu dans le pied, pour être capable de laver à soi. Parce que, faut nous sanctifier. Il y a plus de bagages dans la vie pour jeter, pour être capable de joindre la sanctification. Yes, Jésus revient bientôt. Papa, à laver mon iniquité, réponds-nous mon Seigneur. Viens dis-nous mon Seigneur, fais-nous grâce.
l'amour, souffle de papa délivre-nous, même si tu te mets dans une position où je m'assure de te passer. Alléluia, blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige, lavez Jésus, lavez Jésus, lavez Jésus. Oui, mon cœur est plus blanc que la neige. Amen. Exode. Chapitre 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tous ceux qui y ont contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dérobiras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien-aimés frères et sœurs, assoya. Nous retournons dans pied le roi des rois, dans pied le seigneur des seigneurs. Matin, côté nous te réveiller par grâce, bon Dieu. Nous t'as cherché présence, mon Dieu. Jésus, lui dit nous, l'a préparé une place pour nous. L'a retourné, venir chercher nous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une obligation pour moi-même, ensemble à faire quoi? Pour nous faire tout ça qui dépend de nous. Pour nous rester dans la sanctification. Parce que Jésus, Jésus-Christ le juste, Jésus revient bientôt. Parce que l'essentiel, c'est le ciel. Pour aller dans le ciel, il faut être fiel. Et les river dans le ciel, c'est miel, sans fiel. Ou il faut faire tout ça qui dépend de vous pour être dans la sanctification, pour nous capables de vivre avec Sauveur nous, pour nous sortir sous tes misères, sous tes péchés, et bien pour nous capables de jouir des béatitudes sans fin.
Et dans le moment midi, bien-aimés frères et sœurs, nous te retournons devant trône dans ta chercher présence, mon Dieu. Nous te ouais, tout ça pour nous faire, pour nous rester dans la sanctification. Eh bien, des bagailles, ou doit faire, des faits, eh bien, on doit jeter dans la vie, ou même gens, nous te ouais dans la méditation pour midi. Gede fey kap empêche ou sanctifié ou de chete yo nan la vie ou parce que fok ou kwat pour le Seigneur spirituellement fok ou kwat bien aimé frères et sœurs pour capable rete dans la sanctification. Et bien aswe ya kote nou sot li 10 commandements yon miroir que bon Dieu mette devant yeux nous. Yon miroir qu'elle mette à gauche nous, yon miroir qu'elle mette à droite nous, yon miroir qu'elle mette derrière nous. C'est que là, elle mette nous dans mi-temps. Quel qu'en soit à côté tâche là et dans la vie nous, c'est pour nous well. Parce que miroir là, l'île. Bon Dieu dit, c'est pour nous mettre sous table cœur nous. Et chaque lèvre nous va faire un bagaille. Et bien nous voyons et nous dans miroir là. N'a pas ouais, ça pas bon pour nous faire. Et comme ça, n'a pas arrêté. De la sanctification. Les 10 commandements constituent une partie essentielle de l'évangile. Les 10 commandements constituent une partie essentielle de l'évangile. Nous prenons le premier commandement, bien-aimés frères et sœurs, qui c'est tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Selon Exode chapitre 20 verset 3. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire tout ça qui dépend de nous. Nous devons fixer Dieu nous uniquement sur la gloire de Dieu. Nous devons aimer et servir le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force. Selon Deutéronome chapitre 6 verset 5. Nous devons aimer mon Dieu, pas quitter en rien dans le monde ça, séparer avec l'amour, bon Dieu. Rien, absolument rien, pas quitter en rien, séparer avec l'amour, bon Dieu. Parce que dans le premier commandement, il dit, ou pas qu'il doit gagner l'autre Dieu devant face. Deuxième commandement, bien-aimés frères et sœurs, tu ne te feras point d'image taillée, selon Exode chapitre 20, verset 4. Dans ce commandement, le Seigneur condamne le culte des idoles. Yes, le Seigneur condamne le culte des idoles. Idolâtrie, eh bien, ça prend en pile forme. Gain en pile monde. Yo pas prosterné devant image taillée ou devant statue, mais yo remplacé bon Dieu vivant, le Dieu créateur là, le Dieu du commandement, yo remplacé par l'autre idole. Par exemple, l'argent, les biens matériels, les idées ou les prestiges. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie ça, hein? Et bien tout bagay ça yo. Dieu c'est un Dieu dans la vie ou de pouvoir au plus importance. Dieu c'est un Dieu dans la vie ou qui t'aime jour à soir. Tout bagay ça yo gen pour passer. Tout bagay ça yo bien-aimés frères et sœurs, yo gen pour passer. Là ou ba yo priorité sous la vie ou. Là yo aller, là yo fini. Qui ça ou pas faire? Eh bien à soir, mandez bon Dieu force. Mandez bon Dieu pour capable de s'attacher avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, gen moun si yo levé là, yo pa gen kòb pour fonctionner. Eh bien, y a passé toute journée, yo mauvais, personne pa ka approcher yo. Lè ou tande, eh bien ça, yo commencé à blasphémer nos bon Dieu parce que depuis yo pa ka manger. Yo pagé l'argent pour yo fonctionner, y a demandé si bon Dieu existait vrai. Yo commencé à blasphémer non bon Dieu. Là yo pagé l'argent bien-aimé frères et sœurs, yo commencé eh bien senti yo pas qu'à aller l'église encore.
parce que yo manqué un bagay dans la vie, yo met un bagay plus priorité que l'amour bon Dieu dans la vie. Donc Dieu un bagay, l'argent fait moun rayi moun, l'argent fait moun ap touye moun, pour bien nous plutôt courir derrière bagay qui a passé. Oh chers frères et sœurs, l'île le temps pour nous chercher bien spirituel, pour nous fixer les yeux nous en haut, pour nous fixer les yeux nous sous Jésus et sous Jésus seul. Parce que tout bagay sa yo, na couri derrière yo, nous prenons yo comme une image taillée pour nous, yo tout bien pour passer. Yo tout bien pour passer. Jésus dit nous pas besoin de en rien. Pas peur, pas crainte. Là, il a préparé une place. Et très bientôt, la vient chercher nous. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Exode chapitre 20, verset 7. Bien-aimés, frères et sœurs, ou à parler, malgré où qu'on est, eh bien, il y a pile monde. Malgré où qu'on est, ça y a fait pas bon. Il y a prendre un bon Dieu en vain. Malgré yo konnen, eh bien, business que yo genyen, yo pa fidèle la dan, y a vann nan faux mamit, y a bay moun faux kòb, y a pran l'argent en plis nan men moun. Le gade, premier sa pou devan pòt yo, c'est non bon Dieu. A swa yam vin di ou pa gen dwa pran non bon Dieu en vain. Ou pas de droit réciter non bon Dieu pour grand merci. Ou pas de droit réciter non bon Dieu dans n'importe bagay. Faut que respecter non ça. Dans le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Songe jour repos pour adorer bon Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, dans le Seigneur, nous pourrons prier bon Dieu. C'est vrai, l'air a couru quitter nous. Nous pas une chance pour nous capable et bien d'en parler de tout discommandement. Eh bien, nous juste parler. Eh bien, de ça qui relie nous-mêmes ensemble avec bon Dieu. L'homme et Dieu. Les quatre commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous allons prier, bon Dieu, à soir, pour demander, bon Dieu, pour le capable de faire nous grâce. Pour demander, bon Dieu, pour le capable de laver nous dans le sang agneau. Pour laver nous, pour purifier nous dans son agneau. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Assoyons, nous venons en pied où notre Père, notre Dieu, avec toute faiblesse nous yo, nous avons grand pile bagay nous te kon faire, grand pile bagay nous te kon dit, eh bien on pas prend plaisir là dans yo. M'a demandé autant pour cher Seigneur, soit un bagay dans la vie nous qui représente un Dieu pour nous. M'a demandé autant pour une minute ça, déraciner li. Déchouquer dans la vie nous parce que quand tu as sanctifié, c'est pour sanctifier au nom de Jésus. Soit un bagaille dans la vie nous te considérer comme une image taillée. Peut-être qu'il y a une voix dans la vie nous pas connaît. Mais ma demande autant prie. Déraciner, déchouquer dans la vie nous et capable de libérer nous pour le temps et pour l'éternité. Si nous te comprenons en vain, dans la parole que nous avons parlé, parfois nous connaissons, ça nous dit, elle n'est pas bon, mais nous inclinons là-dedans quand même. Papa m'a demandé autant prier, fais-nous grâce. Fais-nous grâce pour tout ça nous fait le vent. Fais-nous grâce pour ça nous dit, nous ne pas dire.
Fais nous grâce pour comportement nous yo. Passez dans auditeur, auditrice, radio, papillon. Fais grâce. Passez dans amis Facebook, YouTube, WhatsApp nous yo. Fais grâce. Passez dans amis et bien ministère intercession. Fais grâce. Passez dans persévérance en Christ. Passez dans ministère famille affranchie. Passez dans c'est pas la foi. Passez dans ministère Gogédéon. Passez dans jeune adventiste du Brésil. Passez dans missionnaire des héritiers. Passez dans voisin, voisine nous yo. Fais-nous grâce, cher Seigneur. Sanctifiez-nous pour gloire, non. Sanctifiez-nous pour gloire, non. Préparez-nous pour retour en gloire, là. Habillez-nous pour retour en gloire, là. Baignez-nous, savonnez-nous dans l'eau et bien qui baille la vie, à cher Seigneur, pour nous capables de rester tant nous gens qui ont demandé. Papa, séparez-nous complètement avec le monde, ça. Séparez-nous, mettez-nous à part. Sanctifiez-nous. Mettez sang sous nous, cher Seigneur. Fais-nous grâce. Jésus, priez pour nous. Jésus intercédez pour nous. Côté nous pour dormir, ma prend au temps pour visiter nous. Bonne victoire sur toute forme. Victoire sur tout ça qui parvient de vous. Victoire sur toute force qui parvient de vous, cher Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Lui-même cap vivre, cap régner au siècle et des siècles. Amen. Amen.